Wahine. La légende dit que cette île a été coupée en deux par la pirogue de Hiro, le dieu des voleurs. Wahine, c'est dur à dire, car en polynésien, on aspire le H. Wahine. Les Polynésiens aiment cette île, peut-être parce qu'en tahitien, Wahine signifie sexe féminin. L'île est moins imposante que Moréa, son lagon moins multicolore que Bora, mais Wahine, c'est juste un soupçon de tourisme pour en vivre, juste un soupçon de tourisme pour ne rien abîmer. Un équilibre parfait, un charme discret qui donne dès l'arrivée l'envie de rester. Lui, c'est Peter Owen. Il est sur le trajet du boulot. Et oui, je sais, c'est dur. Je suis poti depuis tout jeune. J'ai commencé à l'âge de 14-15 ans de travailler dans un magasin de poterie aux États-Unis. Et à 17 ans, j'ai rencontré ma femme polynésienne chez Slane. Et à 18 ans et une semaine, on était mariés à Tahiti. Et après un an de vie en Amérique, on a décidé de vivre à Tahiti, qui était mon rêve depuis tout jeune. Et depuis 30 ans maintenant, je suis en Polynésie, 23 ans ici à Huene, qui est vraiment une île de rêve. Une vie de rêve, en vrai. Peter et Ghislaine ont décidé de vivre sur l'eau. Une ferme perlière sur une patate de corail. Un peu plus loin, une maison au bord du récif. Un cadre de vie choisi, façonné.